voyez, avant-hier, pendant que j'étais en train de prier par rapport au Cameroun à cause de ce qui se passe dans notre pays et vu l'incident qui a eu lieu à Boya, le malheureux incident de Boya, j'étais en train de prier par rapport à la paix de Dieu au Cameroun. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, au point où nous sommes parvenus, comment est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que la nation retrouve la paix? Et la parole de l'Éternel m'a été adressée. Et c'est elle que je voudrais partager avec vous avant que nous lisions les Écritures. Vous voyez. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a dit qu'il y a une porte pour sortir de la crise que le Cameroun vit. La Bible dit des prophètes Nébi que si j'ai dit au prophète de sonner la trompette et qu'il ne sonne pas et que le peuple meurt, le peuple mourra pour ses péchés, c'est vrai, mais je demanderai son sang au prophète. Mais si le prophète sonne à la trompette et que le peuple n'y prenne point garde, le prophète sera pur du sang du peuple. Donc, je voudrais vous dire la parole de l'Éternel et je parle aux dirigeants, à ceux qui gouvernent la nation camerounaise. Voici ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a expliqué que pour que la crise s'arrête et que le Cameroun retrouve la paix, il faut que ceux qui nous gouvernent acceptent un changement politique au Cameroun. Il faut un changement dans la manière de faire la politique au Cameroun. Et quel est ce changement? Le Seigneur m'a dit que le Cameroun est influencé par trois grandes cultures. Il y a le Grand Nord, il y a le Grand Centre. Quand dit le Grand Centre, c'est Sud-Centre. Et puis, il y a la zone anglophone. C'est les trois puissances qui dirigent, qui constituent la nation. Et pour que la paix revienne, il faut que le pouvoir soit de manière équitable, partagé par ces trois entités. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Actuellement, vous savez que depuis que la nation a reçu son indépendance, on n'a jamais vu un anglophone au pouvoir. Le pouvoir a été francophone. Quoique, il y a eu deux francophones, un du centre, du grand centre, et l'autre du grand nord. Alors, le Seigneur m'a expliqué que les politiques doivent un peu faire comme aux États-Unis, où il y a deux grands partis politiques, les démocrates et les républicains. Et on sait que si cette fois-ci c'est un démocrate, l'autre fois ça sera républicain. Ou bien comme au Nigeria, où quand un président est un chrétien, l'autre doit être musulman. Donc ce qu'on doit faire au Cameroun est très simple. Il faudra qu'on organise un système politique où un mandat passe du côté anglophone. C'est-à-dire qu'il y a un président, le mandat c'est un président anglophone qui fasse ses mandats comme il entend. Lorsqu'il a fini, on donne le mandat à un président francophone qui peut être du centre ou du grand nord. En sorte que au Cameroun, le grand nord, le grand centre et le sud-ouest et le nord-ouest dirigent de manière équitable le pays, que chacun apporte sa pierre à bâtir. Mais si les dirigeants refusent et que les francophones du centre veulent monopoliser tout, l'Éternel m'a dit qu'en ce moment, ils auront deux forces à défendre qui lutteront contre eux. Nord-ouest, sud-ouest et le grand nord. Et donc, si le système politique actuel continue, la nation ne sortira jamais de sa crise. Non, ça ne sortira pas. Nous ne sortirons jamais de la crise.
Les nordistes, le grand nord veut aussi diriger le pays. Et il faut qu'on leur donne cette opportunité. Le nord-ouest, le sud-ouest, on doit aussi leur donner l'opportunité. Donc il faut un système politique qui permette à un président nordiste de diriger, à un président du grand centre de diriger et à un président du nord-ouest et du sud-ouest de diriger. Et ça, il faut que les gens abandonnent leur égoïsme et leur égocentrisme pour penser au peuple et à la paix de la nation. Pour dire oui, un nordiste peut être président. Non, quelqu'un du nord ou du sud-ouest peut être président. C'est la seule façon de sortir de la crise. Actuellement, si mon conseil n'est pas écouté, j'ai parlé. Je ne suis pas un politique, je suis un prophète. Et j'apporte mon conseil, celui qui sort du conseil de l'Éternel. Et ceux qui m'écoutent pour la première fois, qu'ils retournent voir mes prophéties sur le Cameroun et sur d'autres nations. Qu'ils jugent ce que j'ai dit aujourd'hui par ce que j'ai eu à dire hier. Et qu'ils craignent la parole de l'Éternel. C'est la seule façon de sortir de crise au Cameroun. Mon conseil est simple, je le résume. Les hommes politiques du Grand Nord, ceux du Grand Sud, c'est-à-dire centre-sud, et ceux du Nord-Ouest et Sud-Ouest doivent s'asseoir pour parler de la présidence, comment il faut gérer le pays au niveau de la présidence, comment on va alterner le pouvoir entre les zones anglophones, le Grand Centre, le Grand Nord. Comment on doit organiser en sorte que si le président s'y fait son mandat, il est anglophone, prochainement c'est un francophone du Grand Sud et tout, d'accord. Après ça c'est un anglophone, après ça c'est un francophone du Grand Nord. En sorte que personne ne se sente lésé. Si on ne fait pas ça, on va nous conduire encore dans une catastrophe pire que ce que vous voyez. Notez ça. Parce que le Cameroun aujourd'hui est devenu une bombe à retardement. Vous ne voyez peut-être pas ça. Ce que vous voyez, ce n'est rien. Ce n'est rien. Donc il faut que les gouvernants du centre laissent le pouvoir, qu'ils laissent à la zone anglophone la capacité de diriger. Ou qu'ils laissent après ça aussi un nordiste la capacité de diriger. C'est la seule façon de désamorcer si on ne veut pas que la bombe s'y explose. Sinon, ça sera plus grave que ce que vous voyez. Pour le moment, il n'y a rien. Le pire reste à venir. Donc, ayez pitié du peuple. Ayez pitié du peuple. Alléluia. Donc, si le conseil s'est suivi, vous verrez. Il n'y a qu'un président anglophone pour parler aux Amazoniens et pour qu'ils se calment, qu'ils sortent de la brousse pour revenir. La violence ne va pas résoudre ce problème. La violence va plutôt endurcir les cœurs. Vous comprenez? Donc, Dieu nous aide. Nous prions pour la paix au Cameroun. Lève ta main, dis mon père et mon père. Je prie pour ma nation. Que la paix revienne. Qu'il y ait unité entre le Grand Nord, le Grand Centre, le Sud-Ouest et le Nord-Ouest pour diriger la nation. Commence à prier au nom souverain de Jésus. Nous sommes fatigués de cette situation. Samorami wa ines kradei wa asma li falzazo. Falzazo man sauda di volso. Senora wa ines promida lukon wa ines promit. Et nous prions pour la paix dans cette nation.
Nous prions que ta grâce revienne. Nous prions, Seigneur, qu'il y ait un esprit de partage. En ce qui concerne la gouvernance de la nation, un esprit de partage. Seigneur, partage équitable du pouvoir afin que les colères puissent se taire. Seigneur, que les colères puissent s'émousser. Merci, Seigneur, parce que tu es vivant. Que ton nom soit béni, qu'il soit exalté. Au nom de Jésus, on a prié. Au nom de Jésus-Christ, on a prié.